Sbah Nour et Sbah Al-Khair Elite Radio, le morning de Moumoua Elite Radio en direct de Marrakech. C'est Marrakech Jurir et je suis très content de vous présenter à Sbah, Younes et Bombi. Assalamu alaikum. Younes et Bombi. Ça, calmez-vous. C'est pas la France ici. Hein. C'est pas. Monsieur, c'est le Maroc. C'est le Maroc. Darbon. Younes, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Toi, t'es d'origine marocaine? Ouais, marocaine. Ah bah, marhaba, khoya. Enchanté. Bombi. Ça va ou quoi? D'origine marocaine? Non, algérienne, tunisienne. Algérienne, bah, enchanté, khoya. Enchanté, marhaba. Salam alaikum, l'ami. Et vous êtes rencontrés, donc vous jouez ce soir et demain pour le gala de Djemel. Voilà. C'est ça? Le gala du MDR. Oh, nous, on fait la première partie. On fait la première partie, on fait la chauffe. Ah, les 15 minutes. Hier, on a joué au Djemel Comedy Club. Ça s'est très bien passé. C'était bien? Grâce à Dieu. Vous avez kiffé? Ah, alhamdoulilah, ouais, franchement, c'était très très le beau. Le Palais Badi, c'est merveilleux quand même. Pour 3000 personnes. Et comment vous avez trouvé le public marocain? Ah, accueillant. C'est un des meilleurs. Sérieux? C'est un des meilleurs qu'on ait fait. Ouais. Vous avez déjà joué au Maroc? L'année dernière, au Marrakech du Rio. Très bien, ouais. Ok. Donc c'est cool. Deux fois. Donc vous avez l'habitude? Non, mais on est content d'être ici. Ouais. Voilà, on en a au repère. Vous vous êtes rencontrés il n'y a pas très longtemps, vous êtes en 2012. Ouais. Enfin, ça fait 3 ans. On s'est rencontré au commissariat du 18e arrondissement. Non, en fait, c'est moi, Younes, il est origine de Bnei-Mellal. Et moi, j'étais en vacances à Bnei-Mellal avec mes parents pour faire une petite visite, tu sais, de tout le Maroc, parce qu'il n'y a pas que Marrakech et. Bah oui. Hein. Donc j'ai été visiter Bnei-Mellal et j'ai rencontré cet énergumène là-bas. Ouais. Et c'est vous êtes chez vous, Mahdabi, comme Fibletko. Et c'est vous êtes chez vous. Vous connaissez Bnei-Mellal ou pas? On nous écoute à Bnei-Mellal? Oui, bien sûr. Et ben on embrasse tous les Bnei-Mellal. Très bien. Mais quand Younes et Bombi, parce que je vois comme sur scène, vous comprenez déjà que ça fait un mot, Younes, tu comprends? Bombi, tu comprends un peu rien? Ok. Quand on vous voit, on dirait que vous êtes des potes d'enfance. On dirait. C'est bien trouvé. Ouais. Ça fait 3-4 ans, on se connaît. Ouais. Ok, et donc vous jouez donc des sketchs tout le temps, vous jouez un peu sur le côté un peu musulman, un peu juif, un peu arabe, un peu juif. C'est pour ça, j'entends pas, j'avais pas le. Voilà. T'avais pas le casque. Ouais, désolé, j'ai une voix qui est un peu. Voilà. C'est pas ma voix, hein. Ouais. Parce que c'est la première fois que vous faites. C'est pas ma voix. Elle est pas comme ça, hein. Elle est beaucoup plus bien. Hein, dit, T'as fait quoi hier soir? C'est la voix de Marrakech. T'as fait quoi hier soir? T'as fait la fête hier soir? Je vous jure, j'ai rien fait. Je vais le dire à ta femme un moment. Non, j'ai divorcé. J'ai rien fait. J'ai vu un sketch. Ouais. Vous parlez d'un hôtel au Maroc, 13 étoiles. Il est haut. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cet hôtel? Eh ben, wallah, le truc de la wifi, j'étais à Rabat. J'étais à un hôtel à Rabat, wallah que ça m'est arrivé. Mais vous êtes. J'avais demandé la wifi à quelqu'un, il m'a dit il ne reste que Coca et Schweppes tonic. Sérieux? Wallah la hadim farbat. La CMA dit non. Et le sketch est trop fort. Ouais, toi, t'arrives normalement, donc. Toi, Bombi. Younes, toi, t'es le réceptionniste. Je joue un personnage. Tu joues un personnage. Et tu lui dis. Et je lui dis, monsieur, je crois que j'ai une réservation au nom de Bombi. J'ai une réservation au nom de Bombi. Non, c'est pas ça, c'est pas ça à la fin. Quoi? Tu lui dis. Non, à la fin du le sketch, quand je te dis wifi. Wifi. Ah oui, je lui demandais est-ce qu'il y a de la wifi ici dans cet hôtel. Et après, je dis désolé, mon frère, il ne reste plus que Coca et Schweppes tonic. Ouais, non, mais tu dis déjà que bon, les filles, je ne sais pas si on reste ou pas. Ah ouais, ça, c'est vrai. On a rajouté plein de petites vannes encore là-dedans. C'était trop bon, ça. Et Younes et Bombi sur internet, vous pouvez les voir, les deux. Je fais mon juge parce que vous avez plein de capsules qui s'appellent les emmerdeurs sur YouTube. C'est des canulars. Vous appelez, vous faites des canulars. J'ai vu celui du boucher. Boucher Alal, on lui a dit qu'il vendait du cochon, le pauvre. Il a eu peur. Ça fait 30 ans, je suis en France, jamais de problème avec la police. Il nous a dit qu'il était choqué à l'international. Mais vous leur dites après que. Non. Je crois, manager. Je pense qu'on devrait. Il faut, hein. Afid Belazar. Parce qu'on leur retourne le cerveau, il faut leur dire. J'adore. Hey, et vous allez voir, vous tapez Younes et Bombi sur internet, c'est excellent. Et vous êtes posé tranquille, téléphone. Ouais. On parle. Ouais. Et qu'est-ce que tu as dit quoi, toi? Tu as bonjour, on a envoyé l'inspecteur. Ouais, l'inspecteur d'AVS. D'AVS. Parce que le halal en France, c'est AVS. Très bien. Quand c'est certifié halal. Ok, on l'a envoyé, machin, et ouais, il a trouvé que vous vendez de viande de porc. Ok, en tout cas, très content d'être que vous soyez là avec nous ce soir. Merci. Ce matin. Et on revient dans un instant pour un questionnaire pour vous deux, pour Younes et Bombi. Yeah! Younes et Bombi! C'est pas une musique comme ça? C'est Zarma Zarma. La Zarma Zarma. Zarma Zarma. C'est ça? C'est quoi?
Vous avez une musique comme ça? C'est Takfarinas, ça s'appelle. Takfarinas. Exact. Takfarinas. Ensuite. Hit Radio, bienvenue sur Hit Radio. La liberté Momo. Je peux faire jingle. Tu vas faire un jingle. Voilà, Les choristes, ils connaissent que Zama Zama. Il reste combien? 2 minutes. Zama Zama. Connais-lui. Est-ce que toi tu connais Jamel Debbouze? C'est un nouvel album de Rai. Regarde, t'es mal au Jamel. On dirait le nouveau Chap Khaled. Ouais, c'est Bambi en fait, les Endo, le magazine. C'est le Mac du Rire, c'est le magazine du Marrakech du Rire. Younes, c'est Bambi, Asma, la Hit Radio, Malhaba. On voulait présenter les gens sur Internet. Hit Radio avec Momo. Je vais dire la vérité, les gars. J'ai tapé donc Younes et Bambi sur Internet. Je suis tombé sur un sketch, mais vieux. À l'ancienne. Hey, comment ça a changé? Hey, vous regardez ça ou pas? Ouais. Vous regardez ça? Ouais. Alors, il vous dit quoi? Moi, je me dis quoi? Je me dis Adou billahi minash shaitan rajim. Adou billahi minash shaitan. Alors, j'ai vu ça et juste après, j'ai vu Comedy Club. Et je dis, j'ai dit, les mecs, ils ont bossé. Ah, bah, c'est très, 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 très bien. Et toi, c'est quand sur scène, Momo? Ah, bah non. Tu as jamais pensé? Si, ce que je vois, Zama, tu fais les. Ouais, on te voit que tu fais les. Ouais. Non, je pense pas. Et tu chantes un petit peu? Bah ouais, c'est pour ça que j'ai perdu ma voix. Et hier, t'as chanté? Parce que j'ai chanté hier. Zama Zama, j'ai chanté Zama Zama. Zama Zama. C'était la version longue, c'était l'extended version, donc ça a duré genre une heure. C'est pour ça, on va faire un questionnaire avec vous. Allez, qu'est-ce que, avant le questionnaire, déjà, vous avez fait un super jingle de vous deux. Younes et Bambi. Non, c'est comme ça. Younes et Bambi sur Hit Radio. Voilà, faites-moi un jingle Hit Radio. Bienvenue sur Hit Radio avec Momo, la matinale. Hit Radio. Non. Non, tu veux qu'on en fasse une autre? Tu veux autre chose? Une autre? Ouais, Hit Radio. Zama Zama. Ouais, Hit Radio. Zama Zama. Et on est sur Hit Radio. Zama Zama. Présenté en fait, on par Momo. Zama Zama. Zama. Y'a tous les techniciens. Zama Zama. Et on va la mano. Zama Zama. Ouais, j'avais plus de paroles. Ouais. C'est bon. Et qu'est-ce que vous voulez dire à Jamel? Zama Zama. Et la de Seneza. Zama Zama. Jamel, on lui dit merci quand même, Jamel. Jamel, ouais. Sans lui, on n'est pas là ici. Hein. Ouais. Ah, Jamel nous a donné la chance d'être là. Quel est le meilleur conseil que vous, Jamel vous a donné? Le meilleur conseil, c'est garder la tête froide et continuer à travailler. Très bien, ok. Le pire conseil qu'il vous a donné? Le pire conseil? Le pire conseil qu'il m'a donné... Garder la main dans la poche. Non, il m'avait dit... Si tu nous entends, Jamel... C'est bombé. Monsieur. On va faire un questionnaire de vanne. Le pire conseil qu'il m'a donné, je vous jure que c'est vrai, mais il me voit il y a quelques jours. Il m'a dit t'es vraiment juif. Je fais frère, ça se voit quand même. Il t'a vraiment dit ça? Je te jure. Même ma mère, elle m'a posé la question. Tout le monde me pose la question. Moi, elle m'a jamais dit il est vraiment rebeu. Moi, on me dit jamais ça. Ça se voit. On le sait, ça se voit. Il y a le tampon. On va faire un questionnaire avec vous, les gars. Younes et Bambi. Merci en tout cas d'être venu aujourd'hui. Merci de nous recevoir, Momo. Zama Zama. Et on est sur Hit Radio. Zama Zama. Y'a tous les techniciens. Zama Zama. Autour de la piscine. Zama Zama. On est au Sofitel. Zama Zama. On va jouer au Palais Badi. Zama Zama. On va au théâtre. Zama Zama. C'est le Marrakech du Rire. Zama Zama. On va se faire masser. Zama Zama. Et il y a les finitions. Zama Zama. Tu passes après. C'est quoi t'as un petit jeu pour nous, c'est ça? Ouais, c'est un questionnaire. Bienvenue sur le quiz de Momo. Momo Hit Radio en partenariat avec Inouï. Vous savez quoi? Tu peux te lever? Ça c'est très 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 bien. Qui? Adil Ta, l'équipe, venez s'il vous plaît. Cette année, on a la question d'où la piscine. C'est la question de la piscine. Non, personne, on vous jette pas dans la piscine.
Non, non, j'ai des trucs importants moi à l'intérieur. Tu les enlèves. Qu'est-ce que c'est de la piscine ? Non, non, y a pas de billet. La question de la piscine, écoutez-moi. Il y a bagarre. Musique suspense. Allez, allez, c'est parti. La question de la piscine, les mecs. Ouais. C'est un extrait musical. C'est un blind test avec un extrait. Younes et Bombi, la question de la piscine. La piscine, juste là, ouais, à mais... quelques mètres. Hey, si okay. Vous me jetez dans la piscine, il y a bagarre, hein, je vous le dis. Hein. Darbon. J'appelle Mossad, frère. Attention. Un extrait. Mais c'est quoi le jeu? C'est un blind test, c'est un extrait. Ah, Zaman, on écoute la musique, on dit c'est ça. Allez, vas-y. Si, c'est ça. C'est ça. Merci, c'était sympa, au revoir, c'est cool. Ok, à ce soir. Si c'est pas ça, la piscine. Vous avez le choix entre deux options. Mais j'étais à tabou. Vous avez le choix entre deux options. Soit vous partez tranquille, on va vous filmer, il y a les caméras, et tu mets le vous jetez dans la piscine, becher, voilà, tranquille. Soit. Mais toi, tu jettes dans la piscine aussi? Moi, je suis malade, frère. Mais frère, on est tous malades. Fais ça à trois, Momo. On est tous malades, il fait pas bon. Momo, on l'a à trois. Voilà, tu peux pas faire ça. Eh, Momo, c'est toi, c'est quoi le gage? J'ai pas de maillot, ça, mais j'ai pas d'un jean. Oh là, c'est qui Adal là? Ah, c'est la fille de Belazar de Nedroma. Mec, j'ai un jean, mec. Nous aussi, on est pas bien. Vous avez des maillots, vous? On est maillots. Allez, non, c'est pas un maillot, c'est un Uniqlo. Allez, je suis avec vous. Attention. C'est quoi? Attention. Ok, je suis avec vous. Je suis avec vous. Hey, DJ Payet Z. Hey, c'est ta tête. T'entends le petit jingle frisson? Ça, c'est bien ça. Allez. On peut le faire, Bombi. La question de la piscine, Atsba Ali Tradio, on dirait de Marrakech du Rire avec Younes et Bombi. L'extrait musical, il a raftoun tchouma. Hey, c'est pas c'est musique arabe parce que je suis mort sinon, moi je connais pas moi. Hey, il choisit. C'est toi qui choisis. C'est pas arabe. Non. C'est, il faut donner c'est pas le chanteur rap, ou le la chanteur. Chanteuse. C'est qui chante? L'interprète, yalla. Yalla. Pitbull. Non. C'est Kenji. Kenji. Ah non, ça t'est soufflé. Mais non, c'est Kenji. Ça marche pas. Là, ça marche pas. Mais je travaille pour moi là. Ça marche pas. Non. Mais diable, je tire à l'oreille. Non, mais non, ça marche pas. Ça t'est soufflé, ça marche pas. Merci. Non, ça marche pas. Question de la piscine 2. Allez, public. Et là, du coup, extrait marocain. Voilà. Vas-y, mec, extrait marocain. Non. Zarma. Vas-y, mec. Toujours pas. Vas-y, mec. Vas-y. HK. Pogba! 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 Bra! Bra! Zama! Ashkain, frère! Comment il s'appelle? Mais là! Shekai! Attention! C'est Booba! Jamais 203! Ah non, ça c'est la mieux. Je crois jamais 203! C'est le troisième extrait! C'est une maladie, Booba! La question de la piscine! Vas-y! Ok, troisième extrait! De la piscine! Eh, mets-nous un truc américain! Vas-y, mets-nous ce que tu veux! Vas-y, excuse-moi, américain! Yalla, question de la piscine pour Bombi et Younes, ça se passe! Daoudi! Allez, radio! Daoudi. Yalla, c'est neige. Yalla. Stop, être vif. Le courage des diamants. On va se faire virer du Sofitel. Hey, dans la piscine. Non, genre, vous avez gagné, c'est bon. Merci beaucoup, Younes. Merci, Bombi. Comment il veut se débarrasser d'eau? Zama, viens, vas-y. Hey, Younes. Non. Franchement, il a mis des extraits très faciles. Je suis sûr que Bombi l'a fait. Merci beaucoup, les mecs. Non, toute la journée. Un grand merci à Momo, à tous ceux qui nous écoutent, tous les Marocains, Marrakech du Rire. Que Dieu vous protège, monsieur dames. Et un big up au Jamel Comedy Club. Et un grand big up aussi à ma ville. Du Maroc. Bni Millal! Les gars, Bni Millal, la soirée radio, merci beaucoup.